Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Ditchy Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Car Mécanique Simulator 2021 pour encore et encore un tuto argent. Non, je rigole, bienvenue sur la chaîne. Allez hop, c'est parti. Le mec blasé. Non. Allez go, direction concessionnaire Monster Truck, second degré bien sûr. Allez, c'est parti, on va chez le concessionnaire. Allez, on se retrouve là-haut, on va aller se prendre une petite voiture. Pourquoi je vais chez le concessionnaire? C'est juste comme ça pour s'amuser, pour choisir une bagnole. Mais vous, vous le ferez avec une voiture de la casse, par exemple, ce tuto. Vous le ferez avec une voiture de la casse, ok? Y a pas de souci là-dessus. Hop, let's go, on se retrouve là-haut. Je vais vous éviter le chargement interminable. Allez, go. Et nous voilà chez le concessionnaire. Des voitures toutes neuves. Là nous avons une belle petite Audi. Et ici, une Camaro. Ouh. Ah oui, elle est jolie. Elle est quand même jolie hein, la Camaro. Elle est bien réalisée, on voit l'intérieur. Laisse-moi me mettre assis. C'est très joli. Ah oui. Alors. Oui, j'ai fait une mini coupure là. Vous l'avez pas remarqué, mais oui, j'ai eu un appel en pleine vidéo. On l'a pas entendu, c'est en silencieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre pour s'amuser? Un Salem. Le Earthquake Rex. Ouais. Alors, quelle couleur me propose-t-on? Un petit jaune. Pourquoi pas? Non? Oui. Moi, je dis oui. Moi, ça, ce moteur, regardez-moi ça. Non, il est très très bien. Bah, c'est celui-là que je me suis amusé à faire un impire avec. C'est celui-là. C'est celui-là, j'avais même pas vu que les feux, on pouvait les changer, tiens, hier. Ah ouais? Ah, peut-être qu'on peut pas sur l'autre modèle, hein. Peut-être qu'on peut pas. Hein. Ouais, ça se peut. Alors, du coup. Une commission d'achat de 20% quand même. Condition des bonus. Valeur des pièces haute performance. Ok. Eh ben, on achète la voiture. Où vous voulez mettre la voiture achetée? Au garage. Et puis ben on se retrouve au garage tout de suite. Hein. Nous revoilà au garage. Alors comme j'ai dit, hein, moi je prends pour ce tuto une voiture de concession. C'est juste parce qu'en fait j'ai envie d'aller qu'on aille s'amuser un peu avec sur la piste. Mais vous le faites avec une voiture de la casse, ça marche. Hein. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors juste avant, pour faire ce tuto, il faut aller dans rond, réglage, et vous mettez taille des roues non réaliste, vous mettez 8. Voilà, tout simplement. Là, vous mettez ça, comme ceci. Voilà. Ce qu'on va faire, on va quand même la monter un peu, parce que ouais. Je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je le fais, hein, mais je sais que le tuto il marche. Hein. Voilà, tout ce qu'on fait en sambozo. Mais c'est surtout que je sais pas comment ça va donner sur cette machine là. Vous allez voir pourquoi. Alors, magasin de chantes. Après, si vous n'avez pas les moyens d'acheter les plus chers, vous faites avec. Voilà,
avec vos moyens. Mais voilà, ce tuto, voilà, vous prenez une voiture de la casse, des enchères, ça marche, hein, c'est 180. Ouais, 180 le plus cher là. Ok. On va se prendre ça là. Tac. On va en prendre une 4. Hein, 25 pouces. Bon, le déport, je pense pas que ça s'ajoute pas. Hein. C'est juste moi, j'ai envie de mettre du déport. 50. Voilà. On avait dit que c'était combien de pouces? 25, hein. Oui, 25, 25. Non. Tac, maintenant, les pneus. Les pneus, bah, c'est les pneus stick, hein, les plus chers. Tac. On en prend 4. Taille 25. Allez, hop. Largeur. N'importe quoi. Oh là là. Oh là là. Profil. Oh là là. 20 000 de... Oui, bien sûr, c'est pour ça. Vous le faites à votre valeur. Au début, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc voilà, vous faites des roues. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre la largeur et tout. Vous faites juste la taille, ça suffit. Hein? Là, c'est moi qui m'amuse à faire ça. Hein? C'est pas obligatoire. Ok. Qu'on regarde combien vaut d'abord la voiture. Hein? On ne sait jamais. État de la voiture. Tac, tac, tac. Elle coûte 148 000. On prend une petite capture d'écran au cas où. Hein? On sait jamais, hein, avec ma petite mémoire de poisson rouge, hein, je vais faire un petit tour du garage et j'aurais oublié. Monter. Vous êtes prêts? Moi je suis pas très prêt à voir ce que ça donne là-dessus. Oh, n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Ah oui. Aïe aïe aïe. C'est un pneu de camion, hein, un pneu de camion. Et encore, un pneu de tracteur. Bon, à part que, bon, ben, pas en stick, quoi, mais bon. Au niveau de la taille, hein, bien sûr. Aïe, 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 qu'est-ce que ça va donner là-dessus? Aïe, aïe, aïe. La vache. C'est du n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, hein, je le répète encore une fois, hein, vous achetez un peu moins cher, c'est moins d'argent. Hein. Là, moi j'ai pris le plus cher possible et tout parce que bah, c'est la partie de cheater, voilà. Je l'ai pas fait sur ma partie parce que j'ai pas besoin de farmer l'argent. Comme je l'ai dit sur le dernier épisode, j'ai pas du tout besoin de farmer l'argent. Ça me va, l'argent que j'ai pour le moment, ça me va très bien. Je sais qu'en refaisant quelques voitures, ça va très bien. Ah dommage, je la vois pas tourner là. Ah ouais, on voit pas trop. Mais bon, ouais, déjà qu'en voyant ça... Oh. Ça rentre hein, presque hein, quand même. Ouais, ça... Ah oui, ça cache. C'est parti, on passe au montage. Ah d'accord, je suis passé en mode montage. Allez, directement, on va la mettre. Hein. On va voir ce que ça donne. N'importe quoi. Ouais, ça va, hein, c'est pas choquant. Ce n'est pas choquant du tout. Voilà, à peu près, si au début vous gagnerez à peu près, je crois, je pense dans les 20 000 à peu près, si vous faites ça sur un véhicule de la casse, je pense. Après, tout dépend de l'argent de départ en fait que vous avez à investir. Hein. Mais voilà, si vous avez par exemple une voiture de la casse, voilà, 6 000 balles,
vous achetez 6000 balles et que vous avez 40 000 un peu plus de 40 000 à investir, et ben je pense que vous ferez un petit bénéfice entre 20 000 et 30 000. Voilà, c'est pas négligeable. Donc c'était un très bon tuto, mais un peu cheaté quoi, parce que du coup on utilise ben, le truc de pneu non réaliste, donc c'est un peu, c'est complètement cheaté. Je dis un peu, mais en fait non, c'est complètement cheaté. Tout comme cette partie. Vous savez, c'est la partie avec le tuto où on écrit SMS promo 2021 ou SMS 2021 promo là. Et que du coup on obtient une partie normale mais avec des crédits et des levels. La classe. Ça c'est la classe. Et ben non. On regarde directement le prix. Bah attends, on va la mettre dehors. On va la mettre dehors. Voilà notre monster truck. Aïe aïe aïe. Alors. On est à moins 29 000 de bénéf et on passe à 71 000 de bénéf. Donc plus 30 000, 100 000. On a gagné 100 000 sur la bagnole. 100 000 par rapport à ce qu'elle valait tout à l'heure. Plus 100 000, voilà. Là, c'est pas parce que j'ai exagéré. J'ai vraiment mis toutes les, voilà, les roues en maximum, la largeur en maximum. Voilà, vous allez le faire un petit peu moins, donc ce sera moins de 100 000. Bah, parce que je pense que vous aurez peut-être un peu moins d'argent. Si le but, c'est de farmer l'argent, c'est que vous n'en avez pas beaucoup. Donc voilà. Mais voilà, voilà, vous faites ça sur une voiture de la casse. Et du coup, voilà, vous êtes riche. Vous êtes riche, voilà. La voiture vient de prendre une valeur de 100 000. Et bah c'est parti, on va sur la piste et on va voir comment ça donne. Bon, après, elle est pas tunée et tout, hein, mais voilà, on va voir ce que ça donne. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est réaliste. C'est très réaliste. Conduire, on va aller sur la note vitesse, hein. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà avec notre engin. C'est un dominateur, oui. Il avance pas. Hein. Ça tient la route. Très bien. Hein. T'as vu ça? Bon, il a du mal à accélérer ce 4x4. Hein. Alors, je sais pas si c'est le fait des pneus ou pas, mais je pense hein, quand même. Hein, ça, oui, bah oui. Parce que là, vu le niveau d'accélération, je pense que. Je pense que c'est à cause des pneus, je pense. Hein. Parce que quand même, au départ, il faudrait quand même avoir un peu plus d'accélération, je pense. Dans la terre, non. Incontrôlable. Faut pas trop tourner en fait, hein. Aïe aïe aïe. Du mal à accélérer, hein. Alors allez, on essaye un petit crash au bout de la piste. C'est parti, mon kéké. Oh, il a tenu là.
Alors quand je veux faire un crash, il faut pas de crash. Oh, 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 oh. J'ai rien dit. Ouais, on peut faire du hors-piste. Allez, allez. Glitch. Non. Bon, là, il veut même plus avancer. Allez, oh, petit port. Ah, c'est les pneus, ça. Ma vie sur la terre. Je pense que ça joue. Oh non. Ah, c'est quand il tourne, en fait. Quand il tourne, ça me fait ralentir à mort. Les pneus tournent. Bah voilà. Bah, c'était surtout petit tuto argent. Voilà, si ça... Voilà, ça peut aider quelques personnes. Bah voilà comment avoir de l'argent assez facilement avec un truc complètement what the fuck. En fait, ça sort des voitures et tout. Alors, ce que je voulais vous dire pour cette fin de vidéo, c'est que si jamais vous voulez qu'on fasse une petite vidéo amusement, troll, tout ça, on peut le faire, hein. Mozo, il m'a dit, hein, avec les voitures, si on met des pièces tuning et tout ça, on peut carrément faire des wheeling, tout ça. Donc, si vous voulez une petite vidéo, voilà, de... Bah, après, ouais, si on met... Voilà, que je pense que je fais les concepts avant et après on les teste. Voilà, au pire. Si vous avez envie d'une petite vidéo marrante avec ces pneus surréalistes, voilà, s'amuser à essayer de faire des wheelings, des trucs complètement barrés, bah, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. On s'amusera à faire une petite vidéo complètement barrée avec ces pneus-là. Un petit peu d'amusement sur car mécanique, ça fait pas de mal, hein. Et puis voilà quoi. Et puis bah du coup bah moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à petit commentaire. Et puis voilà. Et puis bah du coup bah prochaine vidéo bah là on est pareil hein, toujours cette série là. Mais bon, faut que j'arrête d'en parler. Faut que j'arrête d'en parler, peut-être qu'elle viendra. Quand j'arrête d'en parler, elle reviendra tout seul. Voilà. Et ben bah, sur ce, ben bah, bonne journée à vous. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut, bye tout le monde.